Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve avec un bruit de fond les voitures parce que c'est tout simplement mon trajet vélo taf. Mais aujourd'hui, au lieu de rentrer directement à la maison, on va s'octroyer une petite récréation et on part là-bas en face sur le Fenouillet, histoire d'aller se faire une petite descente ou deux selon la forme et décompresser un petit peu de la journée taf. Allez, ça part de là. Allez, on a lâché l'abri des voitures pour les vignes. On est au pied du Fenouillet et ça va être parti pour la première ascension. Allez, pour se mettre en jambe, c'est parti. La première, vous la connaissez. Ça là, c'est pour te chauffer un peu d'entrée de jeu, pour t'annoncer la couleur. Ça, c'est pour commencer à décrasser la journée de travail. Encore, ça va, qu'elle n'est pas super longue. Après, ça monte plus cool. Allez, elle est faite. Allez, on est dans la deuxième partie de la montée. Super longue. Après, ça monte de plus en plus dur. J'ai l'impression qu'au plus je fais de vélo, mais au plus c'est difficile pour moi. Autant en descente, on est dans la deuxième. Revienne. Autant en pédalage, ça va faire maintenant 2 mois que j'ai repris. J'ai plus l'impression de partir en arrière que de progresser. Mais bon. C'est comme ça, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et malheureusement, ben, on est obligé de passer par là, donc on s'accroche. Voilà. Allez, je redoute le virage, le dernier. Allez, les deux virages sont avalés. On a fini. Là, montée. Maintenant, on va voir le reste du programme. Je sais pas, parce que je suis déjà carbonisé. Est-ce que je redescends directement? Où est-ce que je fais un petit tour là-haut? À voir. Je sais pas. Je sais plus. Allez, on est parti pour la première descente. Allez, c'est parti. Elle est faite, celle-là. Allez, deuxième partie de la descente. Allez, ça c'est fait. Bon les amis, je m'épargne pas là. Je fais de suite celle en béton, le mur en béton. D'habitude je la fais pas le soir. Mais là je pense que je vais faire réorganiser un petit peu le parcours. J'ai pas envie d'aller m'enfoncer trop loin. J'ai de la fatigue qui est là. Et je vais plutôt me faire les petites descentes de là comme ça. Comme je vous dis, je m'éloigne pas trop du point de retour. Et dès que ça va pas,
je rentre. Ce qui ne veut pas dire que la sortie va être moins dure. Parce que là, de suite, quand tu fais celle-là, là, ça pique. Hein. Surtout pour moi. Allez, petit arrêt panorama. Joli panorama, du coup je vous enlève la tête, comme ça ça sera plus joli. On a la mer en fond là-bas. Et puis les collines de l'autre côté. Et puis maintenant, on va se reprendre un petit bout de descente. Allez, ça pédale un petit peu en crête entre les arbres. Et go pour la première. Enfin, en gros pour la descente. Non, c'est bien sympa. Pour les plus téméraires, il y a de quoi arsouiller. Waouh, il y a un arbre. Il était la dernière fois, mais pas gêné. Et voilà, vous avez vu un concentré de belles descentes. On va se faire que ça ce soir. Allez, ça continue encore et encore. Qu'il n'y ait personne qui court, c'est le problème. Elle est empruntée, celle-là. Gagné. Salut. Bonjour. Allez, c'est reparti. Ben, c'était un copain, ça fait plaisir de le voir. Donc on a blagué 5 minutes pour le coup. Faut se retrouver dans la colline. Comme quoi, c'est rigolo des fois. Celle-là aussi elle est sympa en tout cas. Petit boulot. Et la fin. Allez, on repédalouille un peu. On va se refaire une montée. On va essayer d'aller en face là. Et de se faire là, le petit morceau de descente, et puis après on essaiera d'aller s'en chercher une autre. Bon, mais pour le coup on est encore tombé dans une montée qui monte, hein. On va aller récupérer encore un joli tronçon pour s'amuser. Il est vraiment vraiment sympa celui-là aussi. Bon, j'aurais préféré, je suis pas fan de le faire tout seul, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Mais... parce que la fin elle est quand même raide, on sait jamais, une erreur d'une attention et tout, ça peut vite arriver, mais bon, on fera gaffe. Allez, deuxième panorama et dernier de la soirée. C'est pour ça aussi, petite sortie after taf avec une vue comme ça, ça, même si c'est dur à aller chercher, ça détend, ça fait du bien, ça fait oublier tous les soucis de la journée. Allez, on part pour la descente maintenant. Allez, go go go. Allez, le Seb. Bien ça va. Ah, c'est ce que je vous disais. Faut faire gaffe. Faut pas me mettre dedans. Je suis tout seul.
Alors si je me fais mal, c'est la merde. Seb, à s'habiller pas ce soir. Allez hop, on va pas tenter le diable, la fatigue elle est là. Bon ben celle-là d'habitude, je la fais sur le vélo jusqu'en bas. Là je sais pas, ça glissait vachement là. Il a plu hier soir. C'est pas une excuse mais je la sentais pas la fin. Donc des fois faut savoir couper un petit peu et pas se faire mal quoi. Allez maintenant c'est reparti. On va remonter un petit peu du goudron. À un moment donné un petit peu des singles et on va aller chercher la dernière descente. Allez, un petit morceau de single que je vous ai promis entre les bouts de route. Sympa ça. Ça va monter encore un petit peu et on est à la dernière descente. Allez, le dernier calvaire, dernier petit tronçon de montée et on se fait la dernière descente. On sera quand même fait un peu plus de 500 mètres de dénivelé sur même pas 10 bornes, donc c'est pas si mal que ça. Enfin, il y aura plus à la fin de la sortie parce que j'ai 7 km de route normalement de trajet, mais un petit peu plus là du coup. Mais ça fait une belle sortie quand même. Allez, le calvaire est fini. La descente est juste à 20 mètres. Ah, ça fait du bien. Mais finalement, on aura fait quand même un petit peu plus de 500 mètres de dénivelé et si on enlève la route pour venir et repartir sur 10 bornes, donc je pense que j'ai fait en tout et pour tout 10 bornes là-dedans, donc je suis assez fier de moi quand même, même si c'est pas vraiment ça sur le vélo, j'y arrive franchement de moins en moins, j'ai de moins en moins la patate, de plus en plus dur, mais bon c'est pas grave. Tranquillou, ça se fait. Alors, je suis tout seul, sinon les copains, ils m'auraient attendu au moment. Bon, maintenant la récompense. La dernière descente, bon, celle d'avant, c'était pas terrible, j'ai failli me planter deux fois. Alors, on va faire attention à celle-là aussi. Je vais peut-être un petit peu moins parler et plus me concentrer. Bien que ça va pas changer grand chose. Hop, ça c'est fait. Comme vous pouvez le voir, vas-y, on fait une concentrée de descente. On a fait que du beau aujourd'hui. J'y vois que dalle. Il y a un petit soleil, un petit rayon de soleil qui passe à travers là. Et j'y vois rien. Ça aurait été con de ne pas se le faire ça. Allez, on part direction la deuxième partie. Allez, gourdi. Ah.
si mal que ça en termes de pilotage. Vous savez qu'en plus les virages, c'est pas mon truc. Alors ça c'est la ludique pour ceux qui connaissent l'accro. De moi quand même. Pas si mal que ça. Une branche dans la tronche. Si t'as entendu, mais là j'ai fait un petit saut, hein. Tout petit. Hein. Allez, la dernière partie, et pas des moindres. Là, la fatigue commence à se faire ressentir dans les jambes. Virage. Allez. Waouh. Pa. Bon ben, avec une descente de toute beauté pour clôturer cette petite sortie à faire taf. Vous avez vu. J'ai fait un concentré de belles descentes parce qu'il fallait un petit peu s'aérer la tête et récupérer. Enfin, non, bon, ça, j'arrive plus à récupérer hein. Sur le vélo en puissance et tout ça. J'y arrive pas, je sais pas, c'est encore pire que d'habitude ce soir, mais c'est pas grave. Bon, petit bémol sur la dernière partie d'une descente que j'ai pas réussi à faire sur le vélo alors que je la fais habituellement. Bon, c'est comme ça, la fatigue du taf et tout ça. Voilà, on va essayer de s'en faire un petit peu plus régulièrement, des sorties after taf comme ça, vu qu'il commence à faire beau. Et puis voilà, je vous encourage à en faire si vous avez la chance d'avoir un terrain de jeu pas loin de la maison. C'est toujours sympa. Allez, je vous dis à plus les amis et à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!